Shalom Alechem, Bezrat Hashem Itbarach, Parasha Beshalach, et aussi sur Hanouka, Bezrat Hashem. Ça parle de Hanouka. C'est un écouté à la Chod qui est basé sur la Torah 65, du côté Moran, Samech E, que Rabbeinu Akadosh il parle là-bas du Tachlit. Il parle qu'il y a un jardinier, c'est le Tzadik, et ce jardinier-là, il possède un jardin et il s'occupe là-bas de faire grandir les plantes, les arbres, tout ce qui se passe là-bas dans ce jardin. Ce jardin-là, c'est le jardin des âmes et ces âmes, c'est les nôtres. Et sans ce jardinier qui s'occupe de nous, on peut pas arriver au but. Et c'est possible, il dit là-bas Rabbeinu HaKadosh, qu'il y a une neshama, même une grande neshama, que quand elle sort de ce jardin, elle ne peut plus rentrer. Elle est très difficile à elle à rentrer de nouveau dans le jardin et on est obligé de passer par ce jardinier pour rentrer dans ce jardin-là qui sait s'occuper des neshamot. Des neshamot, il faut s'en occuper, ils ont des besoins pour grandir, ils ont besoin de qu'on les arrose, qu'on les éloigne un des autres, qu'ils ne soient pas trop près un de l'autre. Il y a plein un travail immense, et celui qui s'occupe de ça, c'est le tzaddik. Et le tzaddik, pour être ce jardinier-là, c'est pas facile pour lui. Il doit beaucoup, beaucoup souffrir. Comme ça, Rabbeinu HaKadosh, il dit que il faut énormément que le tzaddik, il souffre énormément pour réussir à faire ce travail-là. C'est un travail très difficile. Et des fois même, il ne peut pas finir ce travail-là seulement avec sa mort. Il a besoin de partir de ce monde pour continuer après sa mort à réparer ses âmes, à les faire rentrer dans le jardin, à tout ça. Il dit Rabbeinu là-bas qu'il y a un tzaddik qui peut réussir à faire ça de son vivant. Et Bémet, Rabbi Naftali, avant que Rabbeinu HaKadosh il parte de ce monde, il lui a demandé, Rabbi Naftali à Rabbeinu lui a dit, comment tu as dit dans la Torah qu'il y a un jardinier, un tzaddik qui peut finir ça de son vivant, alors comment ça se fait que tu dois partir? Alors Rabbeinu lui a répondu qu'il n'a pas tout raconté. Il y a en vérité des autres choses qu'il n'a pas dit, Rabbeinu, et que Bémet, que le tzaddik, il est obligé de partir. En fin de compte, il est obligé de partir pour amener les âmes du juif à revenir vers Hashem Yitbarach, à s'attacher au but. À s'attacher au but, au tachlit. Maintenant, ce tachlit-là, c'est un but. Ce tachlit-là qu'on recherche, qu'on va arriver, c'est de comprendre que tout ce monde-là n'est qu'un chemin pour arriver au but final. C'est ça le but. C'est de savoir le chemin, savoir où est-ce qu'on doit arriver à la fin. Si on a pris la voiture et on commence à rouler pour aller vers Tzfat, par exemple, de Beit Shemesh vers Tzfat, par exemple, et on se trouve maintenant en plein milieu du chemin et on oublie où est-ce qu'on doit aller, alors on peut se trouver à Aza. On peut se trouver en Syrie même. On peut se tromper du chemin, on n'arrive pas au but. Donc il faut toujours, pour pouvoir arriver au but, se rappeler toujours du but. Donc ce monde-là, c'est un monde de passage qui nous amène au but. Maintenant, nous, dans ce monde, quand on vient dans ce monde, il y a plein de choses, etc. Il fait plein de choses pour nous faire oublier le but et nous amener à droite et à gauche, à Aza, ou alors en Californie. Et il ne nous laisse pas venir à Tzfat. N'est-ce pas venir nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, du but, du Olam Haba. Et alors on perd notre temps. Et ce monde, c'est un monde de choix. Et Akadosh Baruch Hu, il nous laisse le choix. Il met devant nous le bon et le mauvais choix. Et si on se trompe vers le mauvais choix, on peut dégringoler jusqu'à arriver très très loin d'où on devait venir au départ. Donc maintenant, comment on va venir à ce but-là? Comment on va retrouver ce but-là? Il faut le balassader. Le balassader, c'est le jardinier qui nous montre ce but, qui nous amène à se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, à comprendre la Torah, Kdosha. Maintenant, pourquoi on a besoin de ce but, surtout aussi, à part que tout ça? C'est pour vivre dans ce monde-là. Même n'importe qui, s'il n'a pas la foi en Dieu, sa vie, elle n'est pas vraie. Sa vie, elle est très difficile. Parce que au moment où il va passer une difficulté dans sa vie, il ne sait pas pourquoi il passe cette difficulté-là, il croit que c'est pour rien, qu'il est en train de souffrir pour rien, alors pour lui c'est la mort. Il n'y a pas...
très très difficile, il n'y a pas de vie. Quand quelqu'un il souffre, il passe à une souffrance, un calvaire, un truc difficile dans sa vie, et il n'a pas la foi dans Dieu que tout ce qui se passe dans ce monde c'est un but pour, c'est un chemin pour arriver au but, alors il est sûr qu'il vit, qu'il est en train de souffrir pour rien. Et alors là, c'est une déprime. Il n'y a pas de vie pour quelqu'un comme ça. Okay, il ne peut pas vivre. Il tombe en déprime ou alors il s'éloigne de. Parce qu'il n'a pas, il a pas où se reposer. Il a pas, la foi, c'est ce qui nous repose, c'est ce qui nous fait tenir. Qui nous fait tenir. Okay, quand quelqu'un, maintenant, il ne passe rien sur lui, il n'y a pas de problème. Il a pas de, bon, alors il n'y a pas de problème. Donc tout va bien, tout va. Quand Kadosh Baruch Hu, il aime quelqu'un. Il aime quelqu'un, il l'embête un peu. Pourquoi il l'embête? Comme ça, la personne, elle va se poser des questions. Qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis là? Parce que sinon, sans la foi, il est obligé de venir à la vérité. Quand quelqu'un il pose ses souffrances, alors qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Et il recherche en lui-même. Et s'il a le mérite de trouver ce jardinier-là, alors il va lui dire, le jardinier, Béhémeth, tu vois ces souffrances-là, en fait, c'est pour te diriger vers le but. Pourquoi? Parce que quand la personne elle souffre, comment elle doit faire? Rabbeinu nous dit là-bas que tout homme qui existe dans l'humanité, quand il souffre, il ferme les yeux. Comme ça Rabbeinu il dit. Et plus la souffrance elle est grande, et plus il souffre, il ferme les yeux très très fort. Il dit Rabbeinu pourquoi? Pourquoi quand un homme il souffre, il ferme les yeux? Qu'est-ce que ça lui fait? Pourquoi il fait ça? Il dit c'est l'âme qui fait ça. L'âme elle sait qu'est-ce qu'elle est en train de faire. Pourquoi? Il dit parce que quand tu veux regarder quelque chose de loin, alors tu fais comme ça, tu fermes les yeux pour voir, pour viser loin. Parce que si tu ouvres les yeux en grand, alors tout ce qui est autour, il va t'empêcher d'arriver plus loin. Plus tu veux arriver plus loin, et plus il faut fixer ta vue, donc il faut fermer les yeux comme ça, les paupières, pour arriver à voir quelque chose de loin. Et plus c'est loin, et plus il faut fermer les yeux. Il faut encore plus viser, encore plus réduire le champ de regard, de vue. Plus on fixe, plus on ferme et plus on voit loin. Donc il dit Rabbeinu, quand on ferme les yeux, quand on a mal, la personne, qu'est-ce qu'elle fait l'âme? Elle veut aller au but. Elle veut aller au Olam Haba. Elle veut aller chez Akadosh Baruch Hu. Elle sait que c'est que en fait dans ce monde-là, elle ne pourra pas trouver quelque chose qui va l'apaiser l'âme. Parce que la neshama, elle sait tout. Elle sait que dans ce monde-là, il n'y a rien qui peut l'apaiser. Donc elle cherche où est-ce qu'il est Dieu. Dieu, c'est sûr que c'est lui qui m'a fait ça. L'âme, elle cherche. Alors l'homme, il ferme les yeux automatiquement très très fort pour que l'âme, elle puisse aller s'inclure dans son but. Dans son but, ça veut dire aller chercher, regarder, avec l'âme, elle va regarder là-bas dans le but. Dans le but, elle veut regarder très très loin, dans le monde futur, elle veut regarder très très loin chez Akadosh Baruch Hu pour qu'elle puisse apaiser. Et donc, même quand on ferme les yeux très très fort, ça apaise le mal. Maintenant, si on ne sait pas ça, nous, si on ne sait pas ça, l'âme toute seule, elle fuit vers Dieu. Mais nous, on ne fuit pas vers Dieu. Parce qu'il y a l'âme, Ken, et nous aussi, notre conscience, ce n'est pas l'âme. On a une conscience, il y a l'âme qui est. Qu'est-ce qui est en train de nous attacher, le corps et l'âme, c'est quoi? C'est la conscience. C'est le corps Hamedame. Bon. Alors nous, il faut qu'on le sache. Il faut qu'on sache ce qu'on est en train de chercher en vérité. Il faut qu'on sache, comme ça on va apaiser, béhémettre notre âme à sur des choses très très loin. Okay? Si on veut faire, maintenant, il nous dit Rabbeinu Akadosh, j'espère que je vais être clair parce que c'est des choses. Quand nous on veut arriver à s'annuler complètement, on veut apaiser nos difficultés qu'on a dans la vie, ou alors des souffrances même physiques dans le corps, alors on doit faire quoi? Et dire à Benoît Kadosh, on doit fermer nos yeux complètement de ce monde, d'oublier toutes les passions de ce monde, d'oublier tout ce qui nous entoure, et de savoir que Béhémeth, on est les envoyés de Dieu dans ce monde-là pour arriver à un but, et que ce qu'Akadosh Baruch Hu nous fait, c'est que pour le bien, donc on ferme nos yeux tout, et on fuit chez Akadosh Baruch Hu. Maintenant, Rabbi Nathan, il dit l'écouter à la chote, ne crois pas que c'est que les tzadikim qui arrivent à faire ça. Même n'importe qui peut le faire, même s'il n'arrivera pas à le faire au niveau des tzadikim, parce que les tzadikim, quand eux, ils passent des souffrances à leur mâche, ils rentrent dans le but, à l'intérieur. Mais nous, quand on ne va pas rentrer un mâche comme les tzadikim, mais n'importe qui, il peut arriver à s'attacher à Kadosh Baruch Hu au moment où il souffre. Donc ça veut dire que la souffrance, elle va t'amener au but. C'est, le tzadik, il nous apprend ça.
Et quand la personne elle s'annule, au moment où elle s'annule à Akadosh Baruch Hu, ça veut dire c'est quoi de s'annuler? On parle de quoi là? Et c'est simple, on parle de quelque chose de très simple. C'est de fermer les yeux, les oreilles, fermer, se concentrer, complètement dans tous les sens qu'on a, se concentrer toute notre pensée, toutes nos passions, d'enlever, écarter tout de nous, tout de nous, et s'inclure dans la Emouna, que tout ce que Kadosh Baruch Hu fait, c'est pour le bien. Et là-bas, Rabbeinu, il dit, il n'y a aucun mal, il n'existe pas le mal, il dit Rabbeinu, dans cette Torah-là. Le mal, il n'existe pas, ça n'existe pas le mal. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il me fait du mal? C'est pour me donner du bien, pour que moi, je m'annule à lui, pour que je me rapproche de lui, parce que j'ai oublié. Et on ne peut pas revenir vers Akadosh Baruch Hu sans fermer les yeux. Donc Akadosh Baruch Hu, quand il veut rapprocher quelqu'un, il lui fait des trucs, il est obligé de fermer les yeux, il est obligé de s'annuler, parce qu'il ne pourra pas supporter sinon les souffrances de l'âme, les souffrances du corps. Alors il est obligé de revenir vers Hachem. Donc tout le mal qu'il y a, en fait, c'est pour nous faire du bien, c'est pour nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu maintenant, et aussi pour nous enlever du Gehinnom. Rabbeinu Akadosh, il dit dans l'écoute dans un des sikhot de Rabbeinu, il dit que ce olam il n'existe pas, le olam azé ça n'existe pas, ce monde là il n'existe pas. Il dit parce que le olam abba, nous on croit qu'il existe, on a foi qu'il existe, on est sûr qu'il existe, mais ce monde là, il dit Rabbeinu, je vois pas de monde là, je vois qu'un Gehinnom. D'après tout ce que les gens ils me racontent, toujours ils souffrent, chacun souffre. Il n'y a qu'un Gehinnom. Ça veut dire il n'y a pas Olam Hazé, il n'existe pas. Et bien, Bémet, depuis tout, ça veut dire ça que Olam Hazé, il n'existe pas, que Gehinnom. Ça veut dire qu'en fait, quelqu'un, quand il revient dans ce monde-là, il revient pour réparer des choses. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas le prendre dans le Gehinnom, il ne veut pas. Parce que le Gehinnom, c'est très difficile, il ne veut pas. Il veut que la personne, elle va réparer d'elle-même les choses. Donc elle amène tout son Gehinnom dans ce monde-là. Ça veut dire qu'il va passer des choses dans sa vie et tout. Akadosh Baruch Hu, il calcule tout, que son Gehinnom qui devait passer dans sa vie, il va le mettre dans ce monde-là. Et donc là, dans ce monde-là, il souffre plein de choses. Mais en vérité, toutes ces choses-là qu'il est en train de souffrir, c'est pas pour rien. Et si la personne elle croit que c'est pour rien, alors elle souffre 10 fois plus. Mais si elle sait que ça, c'est en vérité un cadeau qu'Akadosh Baruch Hu, il t'échange des souffrances contre des souffrances, ça veut dire il t'échange des souffrances qui étaient très très difficiles contre des souffrances et qui sont beaucoup moins difficiles. C'est un grand cadeau d'Akadosh Baruch Hu. Si on dit à quelqu'un, viens, je vais te faire mal, je vais te réparer la dent, ça va te faire mal pendant 10 minutes, mais au moins après tu auras plus mal toute ta vie. Alors la personne elle est contente de souffrir ces 10 minutes. Elle va prendre son mal en patience et elle va être contente. Elle va savoir que c'est fait pour le bien. Mais si, Chas v'Shalom, elle ne sait pas que maintenant elle souffre 10 minutes pour ne pas souffrir toute sa vie, alors elle croit que ces 10 minutes-là, c'est un calvaire en vérité, que c'est pour rien qu'elle souffre. Là, ça va être très difficile pour elle de supporter même 10 minutes de souffrance. Et tout, on doit savoir nous se sauver. Maintenant, on peut maintenant. Rabbeinu Akadosh, il ne nous laisse pas comme ça. Il veut nous amener à complètement enlever les souffrances. On a la possibilité. Maintenant, là, je vais vous dire un truc qui a marqué dans l'écouté Moharan, qu'on a la possibilité, par cette Torah qu'on va apprendre là, de complètement annuler les souffrances. Ça veut dire qu'il n'y a même plus besoin de passer des souffrances dans ce monde-là. On peut, parce qu'en fait, tout le but des souffrances, c'est de revenir vers Hachem. Donc si on fait le travail comme il faut, on n'a plus besoin de souffrir. Il faut juste savoir pourquoi les souffrances sont venues et qu'ils vont nous faire atteindre. Ces souffrances vont nous amener, nous faire évoluer dans la voie d'Hachem, nous faire évoluer dans la compréhension d'Akadosh Baruch Hu. Ils vont nous faire évoluer dans plein de choses. On est en train de grandir. Okay, on est en train de grandir. C'est pour nous faire grandir qu'on souffre. Okay, Akadosh Baruch Hu nous fait souffrir pour nous faire grandir. Comme d'Hachem, sens d'exemple, c'est simple ce qu'on est en train de dire, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on se rapproche de lui. Il veut qu'on arrive au but. Donc si on comprend maintenant ce que Rabbeinu Akadosh va nous dire là, et on fait ce travail comme il faut, il n'y a plus besoin de souffrir. Et si on ne va pas le faire, alors ça va encore nous embêter jusqu'à qu'on va le faire. Et si on ne fait jamais, alors le fait qu'on a souffert toute notre vie, ça nous a enlevé des fautes. Mais si on veut maintenant se rapprocher, de renforcer dans la Emouna, elle va enlever nos fautes.
La foi dans HaKadosh Baruch Hu, le cherche, on va chercher Hachem pendant les souffrances, on va retrouver Hachem une barre pendant les souffrances, c'est ça qui nous a rapprochés. On n'a pas besoin de souffrir encore et encore. On enlève toutes les souffrances. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Simplement, c'est comme ça. Quand on souffre quelque chose, Ken, alors on va dans la Hitbo des doutes, puisque Rabbeinu HaKadosh, de toute façon, il nous a donné une heure tous les jours dans la Hitbo des doutes. Il nous a bloqué de chez Hachem Yitbarach. On n'a pas où aller. On ne peut pas se sauver. Il n'y a pas où aller. On est obligé de revenir vers Dieu. Rabbeinu nous a dit tous les jours, tu vas parler avec Dieu pendant une heure. On ne peut pas se sauver. Rabbeinu nous a donné, Mamash, il nous a mis un pilier chez HaKadosh Baruch Hu. Tous les jours, une conversation avec Hachem Yitbarach. Maintenant, dans cette conversation-là, on a le temps de faire un bitoul. Un bitoul, c'est un, mais on peut le faire ça tout le temps dans la journée. Des fois, quand quelqu'un il est en train de souffrir à un moment ou à un autre dans la journée, il a beaucoup d'inquiétude ou n'importe quoi, il peut le faire ce bitoul. À n'importe quel moment dans sa vie, il peut fermer les yeux, fermer tout sa tête et s'annuler à Kadosh Baruch Hu. Complètement tout annuler, de savoir, d'avoir la émouna complète, que tout est pour le bien, de même le dire dans notre bouche. Aussi, Rabbeinu HaKadosh dit que quand on dit dans notre bouche, ça renforce la émouna, donc on doit le dire aussi dans notre bouche et aussi fermer tout. Après, les yeux, les oreilles, tout. Des fois, on ne peut plus parler, il faut tout fermer et complètement s'annuler à Kadosh Baruch Hu. De savoir, tout est pour le bien, moi je m'annule à toi, Hachem Yitbarach, ce que tu veux. Moi, je suis complètement, je sais que tout est pour le bien. Et au moment où on va s'annuler, si on le fait comme il faut, on va rentrer dans un niveau du Olam Haba. Et après, quand le problème qu'il y a, c'est après. Quand on va revenir de ça, ça veut dire on va rouvrir les yeux, on va revenir dans ce monde, les problèmes ils vont revenir à la charge. Okay? Maintenant, comme nous on était dans l'Olam Haba pendant quelques instants, on était dans l'Olam Haba, on a puisé de là-bas une Torah. Une odeur de Torah, une lumière, une étincelle, un éclat, comment on veut dire ça, un truc qui est de Jolam Haba. Maintenant, nous on le sait pas tout de suite parce que l'Etzara il veut nous le faire oublier tout de suite. Il veut complètement nous faire oublier que ça n'existe pas, tu n'as rien vu du tout. Il veut se faire oublier, les problèmes ils sont restés les mêmes, tu es tout pareil et c'est le problème. Et nous, comme on était dans la Maba, maintenant on était dans la Maba, il faut ramener de là-bas le Réchimo. C'est quoi le Réchimo? C'est ce qui reste. C'est le restant de la lumière qui reste, qu'on était là-bas, qu'on a vu quelque chose. Il nous laisse dans notre imagination. On ne peut pas se rappeler maintenant ce qui était là-bas. Mais on peut ramener, il faut savoir que quand on s'est annulé devant Hachem Yitbarach, ramener un Réchimo. Comment on fait ça? On fait ça en se renouvelant dans la Torah. Il dit Rabbeinu HaKadosh. Il dit après, quand on va revenir, le Yitzhara et les problèmes, les difficultés, ils vont se renforcer de nouveau. Et là, il faut se réveiller de nouveau à étudier la Torah. Si on peut faire des chidushim, c'est des chidushim. Parce qu'il dit Rabbeinu que quand on était là-bas, on était dans la joie. Dans la joie. Et quand on va maintenant, la joie, c'est l'ustensile pour pouvoir se renouveler dans l'étude de la Torah. Donc si on ne peut même pas renouveler des chidushim, on n'a pas de nouveautés, on ne sait pas d'étudier de nouveau, d'ouvrir un livre, de chercher un livre de Rabbeinu, prendre un livre maintenant et se rappeler maintenant. Et comme ça, on annule le Yetzerara. Maintenant, ça peut revenir plusieurs fois et il faut le faire à chaque fois. À chaque fois que le Yetzerara il va se battre maintenant, nous, on se renforce dans on n'a pas besoin d'arriver à ce niveau-là, de toujours s'annuler. Il faut être d'Afka joyeux. Rabbeinu HaKadosh nous dit, il faut qu'on soit joyeux 23 heures par jour. Il faut être joyeux toute la journée, juste une heure par jour, d'avoir le cœur brisé. Il faut essayer le plus possible de se renforcer dans la Emouna, de ne pas tomber dans la Hatzvout, pas tomber dans la tristesse, pas tomber dans les moments difficiles. Mais si on est destrouve dans ce moment-là, il faut s'annuler complètement à Hachem, tout fermer, ses yeux, ses oreilles, tout, se concentrer mamash, et en revenant de là-bas après, il faut, quand les problèmes ils veulent revenir, rentrer notre tête dans l'étude de la Torah. On va rentrer notre tête dans l'étude de la Torah, on va repousser tous les problèmes en étudiant la Torah. Et cette lumière de la Torah, ce qu'on a reçu de là-bas, il va s'introduire dans ce qu'on est en train d'étudier, et ça va éclater tout le Yetzerara, ça va annuler tout le mal, tout le Yetzerara, toutes les difficultés, tout peut tomber grâce à ça, parce qu'on va retrouver le but. Alors que quand on va étudier Mamash, cette étude qu'on va faire après ce bitoul là, il sait Mamash, ça va nous rentrer dans le cœur et ça va bémettre, on va retrouver le but grâce à ça. Et donc on n'aura plus besoin de souffrir après.
il n'y a plus besoin de souffrir, et le Yetzer Hara, il s'efface complètement, tout le mal s'efface. Comme ça, Rabbeinu Kadosh, il dit dans l'écouté Moran. Ça, c'est ce que Rabbeinu Kadosh dit. Maintenant, Rabbi Nathan, il nous dit que ça, tous les jours, on le fait. Il dit comme ça, que quand on va dormir, c'est un bitoul. Quand on va dormir, on s'annule, on annule tout. Il n'y a plus rien. On regarde plus, on n'entend plus, on voit plus. Il n'y a plus, on ferme les yeux, on pense même plus. C'est le cerveau qui continue à penser, mais nous, il n'y a pas d'inquiétude, on ne sait même plus ce qu'on est en train de penser. On s'annule. Quand on va dormir, c'est un annulement. Et que si on arrive à dormir dans l'Aïmouna comme il faut, en disant Kriyat Shema avant d'aller dormir et tout, dans le Zohar HaKadosh, il y a marqué que la personne a pu retrouver elle peut rentrer mamash dans l'Olam Haba. Elle est en train de dormir, elle ne sait pas, elle se réveille le matin, elle croit que c'est autour d'Avar, elle croit que c'est pareil. Mais en vérité, la nuit, il était dans l'Olam Haba. Et quand il se réveille le matin, qu'est-ce qui se passe? Le Yetzer Hara, il tombe sur lui de nouveau. Il se réveille, il ouvre les yeux, etc. Il veut s'en accaparer. Donc la Touma, elle tombe sur nous. C'est pour ça que nos mains, ils sont impures. Okay. Et qu'est-ce qu'on doit faire? On doit, pour pouvoir retrouver ce qu'on a vu pendant ce bitoul là, pendant ce moment où on était en train de dormir, et qu'il faut mamash le faire bien comme il faut. Okay. Sinon, si Chas v'Shalom, on dort comme ça et tout, alors on peut même arriver Chas v'Shalom dans des endroits très mauvais. Où on est complètement en dehors du jardin. On n'arrive pas à rentrer à l'intérieur. Parce qu'on ne sait pas bien annuler. Et parce qu'il faut bamash bien s'annuler. Même qu'on est en train de s'annuler, on ferme les yeux et on dort. Ça ne veut pas dire qu'on s'est mamash annulé où il faut. On s'est annulé, mais on n'arrive pas encore à rentrer dans le jardin. Il faut rentrer dans le jardin. Et on a besoin du balassadé pour ça. Et avant de dormir, il faut s'attacher au tzadikim. Et mamash demander à Hachem Itbarach qui rentre notre neshama où il faut. Et mamash faire une ébaudé doute. Et de faire un kriyat shema avant de dormir. Et on peut arriver mamash à rentrer dans le jardin. On peut rentrer dans le Olam Haba. Et en se réveillant, donc le Yetzer Hara, il se réveille sur nous de nouveau, parce que c'est comme deux personnes qui sont en train de se battre, il dit. Deux personnes qui sont en train de se battre. Quand quelqu'un il se renforce sur l'autre, alors l'autre, il commence à se renforcer. Si un, il se calme, l'autre, il n'est pas très énervé. S'il voit qu'il y en a un, il veut le combattre, il veut le battre, il veut le tuer, alors l'autre, il va commencer à se combattre contre lui. Plus la personne elle se renforce, donc le Yetzer Hara, il voit que lui, il veut se sauver. Il veut l'annuler. Comment? En faisant un annulement, il veut annuler le Yetzer Hara. Il veut se sauver de lui. Alors quand il se réveille, tout de suite, il l'attrape, il attaque. Et comment on va l'annuler de nouveau maintenant quand on se réveille? Avec la Torah. Et c'est quoi la Torah? C'est Netilat Adam. La Torah, c'est l'eau. L'eau, c'est la Torah. Alors on prend l'eau, c'est l'eau de la Torah, et on verse ça sur nos mains, et on efface la Touma. Okay? Et donc, il dit Rabbi Nathan, c'est pour ça qu'il faut se réveiller à Chatzot. Okay? Et quand on se réveille à Chatzot, il faut étudier la Torah, nous renouveler dans la Torah, et là, grâce à ça, mamash, on va renouveler notre neshama, on va recevoir de là-bas de la émouna, de la foi, des choses immenses, on peut recevoir de ça et annuler tout. Rabbeinu, il dit que le Tikkun Chatzot, c'est comme un pidyon, ça annule toutes les mauvaises choses qui puissent, avec toutes les difficultés dans la vie. Il n'y a plus besoin de personne qui se lève à Chatzot comme il faut, elle va être très contente, ça va lui annuler plein de mauvaises choses, c'est un pidyon. Rabbeinu dit que la koum se lever à Chatzot, c'est comme un pidyon. Donc tout ça, c'était une introduction. C'était une très grande introduction, mais c'est en fait une Torah de Rabbeinu. Okay? On a appris un morceau d'une Torah de Rabbeinu Akadosh. Maintenant, pour Hanouka, il dit Rabbi Nathan que ça, c'est Hanouka. Que chaque année, on allume dans notre maison la lumière de Hanouka. Une bougie de Hanouka. Okay? Qu'est-ce que c'est cette bougie? Il dit Rabbi Nathan que c'est la bougie que quand on s'est annulé et qu'on revient de notre annulement, alors on a dit qu'il y a une lumière qui reste en nous, c'est un réchimo, c'est un reste de lumière. Et c'est ce reste de lumière là qu'on est en train d'allumer à Hanouka. On amène du Olam Haba dans ce monde là de la lumière. C'est pour ça que le Hanouka, c'est 8 jours. 8 jours, le 8 c'est le Olam Haba. 7 c'est le Olam Hazeh, ce monde là il y a 7 jours dans ce monde. Et le 8e jour c'est le Olam Haba. Donc nous, quand on est en train d'allumer les bougies de Hanouka, on est en train d'allumer la Torah du Olam Haba dans ce monde-là, et comme ça, on annule tout le Yetzer Hara. On annule tout, c'est pour ça qu'il faut le mettre très bas, la Hanoukia, il faut la mettre très bas, en dessous d'un mètre, plus haut que 24 cm, et en dessous de 80 cm, entre 24 et 80 cm, Ken, pour annuler tout le mal au bas, parce que plus l'endroit il est bas, plus on est proche du parterre, et plus là-bas le Yetzer Hara il est fort. Ken, plus on monte, et moins le Yetzer Hara il est fort. Donc,
il faut amener cette lumière là en bas et allumer cette lumière là. Et comme ça, on cette lumière là, en fait, c'est quoi? C'est la Torah qu'on amène de l'annulation. Quand on revient, il faut étudier la Torah de nouveau, se renouveler. Comme ça, on amène du Olam Haba où on était, donc au moment où on était annulé, on ramène de là-bas une lumière. Et ça, c'est la lumière de Hanouka. Et que Béhémet, comme ça, on a reçu la Torah. Moshe Rabbeinu, il s'est complètement annulé à Kadosh Baruch Hu. Et au moment où il souffrait, Moshe Rabbeinu, il souffrait. Je suis obligé de vous le dire maintenant. Voilà, c'est marqué plus tard, mais Moshe Rabbeinu, comment il a reçu la Torah? Il souffrait. Il souffrait de quoi? Il souffrait que ses frères, ils sont en train de souffrir. Il était comme ça, il s'est sauvé d'Égypte. Il souffrait, il pensait à ses frères, comment ses frères, ils souffraient. Et il était tellement tellement que ça lui faisait du mal qu'il était en souffrance de ça. C'était son inquiétude, c'était son problème dans sa vie. Que ses frères, ils se trouvent en Égypte en train de souffrir. Il pouvait pas s'empêcher. Il était tout le temps en train de s'annuler devant Akadosh Baruch Hu pour pouvoir se sauver de ses souffrances, tellement qu'il était rempli de souffrance, de croire que tout est pour le bien. Donc il se sauvait complètement dans Akadosh Baruch Hu, il faisait un bitoul. Et Akadosh Baruch Hu lui a fait montrer à Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il lui a fait montrer? Il lui a fait montrer un buisson ardent. Okay. Et un buisson s'est rempli d'épines. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il s'est fait montrer à Moshe Rabbeinu dans les épines? Pour te dire que comme le peuple d'Israël, ils sont dans les épines, moi aussi, Akadosh Baruch Hu a dit, moi aussi je suis dans les épines. Et là, quand Moshe Rabbeinu il s'est sauvé, il a reçu d'où il a reçu le début du don de la Torah, de ça qu'Akadosh Baruch Hu il s'est fait montrer à lui dans les épines. Ça veut dire que c'était ça le problème de Moshe Rabbeinu. Le problème de Moshe Rabbeinu, c'est comment le peuple d'Israël est dans les épines. Akadosh Baruch Hu l'a montré tout de suite, sache que moi aussi je suis dans les épines. Ne crois pas que c'est le peuple d'Israël tout seul dans les épines, mais moi je suis pas dans les épines, je suis avec eux dans les épines. Ça veut dire que c'était ça le problème de Moshe Rabbeinu. Et de là a commencé tout le don de la Torah, il a commencé de là. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, il se sauvait à chaque fois chez Akadosh Baruch Hu pour pouvoir apaiser sa peine, que son peuple, que ses frères, ils se trouvent dans l'exil. Et Akadosh Baruch Hu, il lui a fait montrer, sache que moi aussi je suis dans l'exil avec eux. Comme ça, et comme ça, tout le don de la Torah s'est donné, ça a été donné. Ken, ça a commencé de là. Tov. Maintenant, Ner Mitzvah et Torah Or. C'est quoi la lumière de la Hanouka? C'est la Torah. Pourquoi Ner Mitzvah? La Mitzvah, c'est une bougie. Et la lumière, c'est la Torah. Ça, c'est un passage qui est dans Michelet. Donc, la lumière de la bougie, c'est la Torah. Donc, on est en train d'allumer la lumière de la bougie, on est en train d'allumer la Torah dans ce monde-là. C'est des aimés Vatlim Kol Atzarot. Grâce à ça, on annule tout les difficultés. Okay. Parce que pourquoi? Qu'est-ce qu'ils voulaient faire eux, les Grecs, au moment de Hanouka? Qu'est-ce qu'ils voulaient faire? Ils voulaient leur faire oublier la Torah. Parce qu'ils savaient que comment le peuple d'Israël se renforce contre quoi à chaque fois? C'est grâce à la Torah. À chaque fois, ils étudient la Torah et ils nous annulent. On ne pourra rien faire contre eux. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit? On va leur faire annuler la Torah, on va les empêcher d'étudier, on va pas les laisser. Comment on va faire? Comment ils ont pensé? Comment ils vont faire? On va leur rentrer des autres choses dans la tête, la place. On va leur faire rentrer des autres sagesses. Comme ça, eux, ils vont commencer à étudier un peu moins. Jusqu'à la fin, ils vont abandonner la Torah et on va pouvoir les prendre en esclavage. C'est nous qui vont être les rois, pas eux. Ça veut dire que c'était quoi? Que les Grecs ils voulaient faire, les faire oublier la Torah, parce que grâce à la Torah, ils n'ont aucune chance. Si à chaque fois le peuple d'Israël étudie la Torah, ils vont les annuler. Donc on voit de là que la Torah, ça a une force immense. Avec les tzadikim qui étaient dans cette génération-là, Ken, Matatyahu, Kohen Gadol ou Banav, Ken, Matatyahu, le Kohen et ses enfants, ils se sont complètement annulés, dans un annulement immense, et ils ont tout donné. Mamash pour Akadosh Baruch Hu, ils sont partis, une 5 ou 6, contre tout un peuple entier, ils ont fait une Messirut Nefesh. Ça c'est un bitoul, ça c'est un annulement, c'est-à-dire la personne elle est prête à s'annuler, à s'effacer, elle va se battre contre tout le monde. Pourquoi? Pour sauver la Torah Akadosh. Ils se sont tellement annulés devant Akadosh Baruch Hu. Ken, c'est Ikara Etsa, Amitit, Mikol Atzarot. Il dit Rabbi Nathan, c'est ça le vrai conseil, l'essentiel conseil, le principal conseil. Grand conseil et véritable
que dans tous les tsarot, dans toutes les difficultés qu'on passe, chas de shalom, que chacun, ce qui se passe en lui en particulier, ou alors dans tout le peuple d'Israël en général, il n'y a aucun conseil, vrai conseil, pour se sauver d'eux, seulement grâce à cet annulement-là, complet, extrême, dommage, s'annuler complètement devant Hashem et Barach. Ça veut dire fermer les yeux très très fort et faire se faire comme si on est en train de dormir et s'annuler avec mamash, complètement s'annuler avec un mamash keilu en shum argasha klal, comme si qu'il ressent plus rien, il ferme les yeux, il ressent plus rien. Ça c'est le conseil, rien que attacher sa pensée vers la lumière infinie de HaKadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, mamash, il n'y a plus rien, c'est concentré complètement devant HaKadosh Baruch Hu. Ken, comme ceux qui font le yoga, les Avdil, ceux qui font le yoga, ils pensent plus rien. Ils peuvent, comment ils vont faire ça? Nous, on fait ça avec la Emouna. Rabbi Natan, ceux qui ont pris de nous. Bémet, Rabbi Natan, il nous dit, c'est la Torah, Kedosha, Moshe Rabbeinu, c'est comme ça qu'il a eu la Torah. La Torah, on la reçoit d'HaKadosh Baruch Hu. HaKadosh Baruch Hu, c'est ça le... C'est de là-bas qu'on la reçoit. Si on veut s'attacher à Hashem Yitbarach, on peut le faire. N'importe quand, n'importe qui. Il n'y a pas besoin d'être un grand tzaddik pour le faire. Rabbi Nathan dit, chacun, il peut le faire. Mais on va le voir ça. Veze yachol kol adam la'asot. Chacun, il peut faire ça. C'est pas que Moshe Rabbeinu. C'est pas que les grands tzaddikim. Que toi aussi, puisque HaKadosh Baruch Hu, il est attaché à toi, celui qui te fait vivre, il vient jusqu'à chez toi. Hashem Yitbarach, il se trouve chez toi. Il se trouve aussi. Maintenant, c'est quoi la différence entre moi et Moshe? Moshe, Hashem, il n'est pas caché chez lui. Il est dévoilé. Chez moi, il est plus caché. HaKadosh Baruch Hu, il se cache plus pour que je puisse le retrouver, parce que s'il va se dévoiler d'un coup, je peux mourir. Alors, chez Moshe Rabbeinu, il est complètement dévoilé. Mais chez moi, il est complètement voilé. Mais c'est le même. C'est le même HaKadosh Baruch Hu que j'ai moi et que Moshe Rabbeinu il a. Et même en bas de moi, jusqu'à en bas, jusqu'à les endroits les plus tamés qui existent dans le monde, eux aussi, HaKadosh Baruch Hu il est là-bas le même. Il n'y a aucune différence. HaKadosh Baruch Hu il est partout pareil. Il n'y a pas là moins HaKadosh Baruch Hu et là plus HaKadosh Baruch Hu. Ça n'existe pas ça. HaKadosh Baruch Hu il est partout pareil. Partout pareil, dans tout le monde, il est exactement pareil. C'est quoi la différence qu'il y a entre là et là? C'est que là-bas, HaKadosh Baruch Hu il est dévoilé, on ne le voit pas. On le voit, chez Moshe Rabbeinu, chez Tzadikim, il est dévoilé. Et chez moi, ou alors des endroits plus bas, plus c'est bas, et plus HaKadosh Baruch Hu, il est caché. Pour pas nous tuer, pour qu'on puisse s'attacher à lui. Alors plus l'endroit il est bas, et plus HaKadosh Baruch Hu, il est caché. Mais c'est le même HaKadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'où je suis moi, il est autant HaKadosh Baruch Hu que à Ouman. C'est pareil, ou alors que dans le Beit HaMikdash, Kodesh HaKodashim, c'est la même chose. Mais c'est quoi la différence entre là et là-bas? Là-bas, il est dévoilé, donc on le ressent beaucoup plus, avec beaucoup plus de... C'est beaucoup plus facile à ressentir à Kadosh Baruch Hu. Et chez moi, je ne le ressens pas, parce que qu'est-ce qu'il est caché? Mais c'est la même chose. À Kadosh Baruch Hu, il est partout pareil. Donc même moi, dans ce niveau où je suis, je peux m'attacher à lui, je peux m'annuler à lui, je peux retrouver, même dans ce même endroit où je me trouve. Qui a falpi chez nous yachol iskot li bitul bishlemut que mok dolat tzadikim a falpi ken yachol kol adam levatel atzmo eze sha'a im yirtze be'emet. Même si on ne peut pas arriver au bitul, à l'extrême annulation, malgré tout on peut quand même arriver à un niveau d'annulation. Arakar yachol yot shit gabru chas v'shalom. Après il peut se renforcer encore plus le tzerara et il faut les annuler maintenant avec l'étude de la Torah, se renouveler dans l'étude de la Torah, prendre un livre de nouveau, écouter un cours. Ken Mamash, se renforcer à l'aider à la Torah, Bechechek Khadash, il faut renouveler son envie d'étudier la Torah et pas laisser croire, le Tzera va te faire croire que HaKadosh Baruch Hu, ça y est, t'as rien vu, t'étais pas dans le bitoul, t'as rien vu du tout, t'as fait aucun bitoul. Alors c'est pas vrai, on arrive, chacun peut arriver à faire un bitoul au moment de l'Aïd Bodedout, ou alors et on fait un bitoul, on fait un bitoul, on reçoit, il faut juste se renouveler dans l'étude de la Torah. Maintenant, Zrat Hashem Yitbarach, maintenant il dit comme ça, Rabbi Nathan, il parle de la sortie d'Égypte. Il dit pourquoi, à chaque fois, Pharaon, il disait, bon d'accord, je vous laisse sortir. Après, il dit non. Pourquoi à chaque fois il revenait sur lui? Il dit parce que Moshe Rabbeinu, pour pouvoir annuler l'Égypte, il fallait qu'il fasse
une annulation totale et ramener du Olam Haba la Torah. Et grâce à ça, il annule Pharaon à chaque fois. Donc au moment où il arrivait à s'annuler à complètement vers Akadosh Baruch Hu, Pharaon, il s'est annulé lui aussi. Parce qu'à chaque fois, il est nantissé à chaque fois. Mais quand Moshe Rabbeinu sortait de son bitoul, comme ils étaient en Égypte, ils ne pouvaient pas ramener la Torah, il se réveillait à chaque fois de nouveau. Donc Moshe Rabbeinu, il faisait un nouveau bitoul, une nouvelle annulation devant, et à chaque fois il faisait des miracles, il allait dans l'Olam Haba. Et à chaque fois, il allait dans l'Olam Haba, et Moshe Rabbeinu, il sortait d'Égypte à chaque fois. Il sortait parce qu'en Égypte, il n'y avait pas le droit d'avoir la Nevoa. C'était un endroit tamé, méod, une grande touma qu'il y avait là-bas. Moshe Mitbarach, il ne voulait pas se dévoiler à Moshe Rabbeinu là-bas. À chaque fois, Moshe Rabbeinu, il devait sortir de la ville pour pouvoir avoir des prophéties. Mais à chaque fois qu'il sortait de la ville, il sortait, il annulait Pharaon. Quand il revenait de son bitoul, il revenait de son annulement à Moshe Mitbarach, Pharaon à chaque fois, il se réveillait jusqu'à qu'à la fin, le dernier coup, alors là, Moshe Rabbeinu, il a fait venir une lumière aussi grande, il a annulé tout Pharaon, presque complètement. Okay. Et là, il ne pouvait plus rien faire, il annulait les premiers-nés, c'était toute la force, Mamash, il a fait tomber Mamash, toute la force de Pharaon, tout l'ange de Pharaon, il est tombé par terre. il a né une lumière immense, il a anéanti. Mais quand ils sont sortis après, ils n'ont pas encore réussi à ramener la Torah, ils n'ont pas encore récupéré la Torah. Donc, Pharaon il s'est réveillé encore une fois, même qu'ils sont sortis d'Égypte. Il s'est réveillé encore une fois et il a couru après eux. Comment c'est possible? Ça y est, on t'a anéanti, il n'y a plus rien. Pourquoi tu continues la guerre? Béhémet, il dit comme ça, Rabbi Nathan, parce qu'ils n'ont pas encore reçu la Torah. Ils ne les ont pas anéantis jusqu'au bout. Pour anéantir complètement le Yetzer Hara, il faut faire le Bitoul. Mais après ça, ils vont se réveiller. Ils vont courir après eux. Pharaon, il court après. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Il faut que tu étudies la Torah. Et il dit, c'est ça. C'est ça, la Kriyat Yamsouf. Alken Ayouaz Behemet Besakan Agdol. Il dit, Behemet, ils étaient en grand danger. Quand ils étaient devant la mer Rouge, ils étaient en très très grand danger à ce moment-là. Parce que Pharaon, il s'est renouvelé. Mechamat Shidgaber Asbioter, il s'est renforcé encore plus. Plus la personne a fait un bitoul, et plus le Yetzer Hara, il se renforce encore plus. Il faut à chaque fois et réétudier la Torah de nouveau, et refaire un bitoul, et réétudier la Torah, pour à chaque fois annuler, jusqu'à qu'on annule complètement le Yetzer Hara. Et là, ils se sont beaucoup renforcés, et Pharaon et tout. Biyoter, et la kach et kol chelo, il a pris tous ses guerriers. Shesh miot rechef bachur, shem klal kol akochot shel sitra chara, il a pris toutes les forces du mal. C'est quoi ces 600 charrettes qu'il avait pris avec lui, 600 chars qu'il a pris avec lui, c'était toutes les forces du Yetzer Hara. Il est venu combattre le peuple d'Israël, les âmes du peuple d'Israël, il voulait les anéantir. Parce que plus la personne elle s'annule, et plus, quand elle revient de son bitoul, elle revient de l'annulement, Ken, et ben après, il se renforce encore plus le Yetzer Hara. C'est comme deux personnes qui combattent, on l'a dit tout à l'heure. Deux personnes qui combattent. Plus la personne elle se combat, et l'autre elle veut se renforcer encore plus. Donc là, ils étaient mamash en danger. Ah voilà, Shemit Barach. Shemit Barach, il abandonne personne. Si des personnes, elle, faut qu'elle a la foi. Il ne faut pas avoir peur de Pharaon, il ne faut pas avoir peur du mal. Il faut à chaque fois avoir foi en Shemit Barach. Hashem barach bechemlato, chamal aleinu bezchut avot ubikocho shel Moshe, il aura ouvert la mer grâce au mérite de nos pères, les avot, Avraham, Yitzhak, Yaakov, et par la force de Moshe Rabbeinu, il aura ouvert la mer. Comment? Grâce à la Torah qu'ils vont recevoir. Même que maintenant ils ne l'ont pas reçu encore, par le mérite de la Torah qu'eux ils vont recevoir après. Ça veut dire même si la personne maintenant envoie d'ici, on apprend d'ici une autre chose, de vouloir étudier. De dire voilà maintenant je peux pas étudier maintenant mais je veux étudier, et ben ça déjà ce mérite là il peut déjà en anéantir le Yetzer Hara. De dire voilà moi je peux pas étudier pour l'instant, je peux pas, je suis en train de travailler là, je peux pas, j'ai pas de livre à ouvrir. Ben il nous dit Rabbeinu, quand tu as envie d'étudier, et c'est comme si tu es en train d'étudier, c'est marqué dans l'écouté Moran. Rabbeinu dit que quand tu as envie d'étudier, ton cœur il brûle pour étudier la Torah, même que tu peux pas maintenant parce que tu es en train de travailler, c'est pas possible, tu n'as pas de livre et tout, c'est comme si tu es en train d'étudier dans un livre. Et bien, maintenant là, on voit ça, la même chose. Même qu'ils ne pouvaient pas utiliser, ils n'avaient pas de Torah encore. Ils ne pouvaient pas anéantir Pharaon. Malgré tout, le fait de vouloir recevoir la Torah, c'est ça qui a donné la force au peuple d'Israël d'anéantir. Validez Baruchou, Amaï Magashmi, Mipneem, Lavrou Betoch Hayam Bayabasha, Ken, Vehamitzrim Nidbeou, Baem. Les Égyptiens, ils se sont
complètement. Ça y est, la mer, c'est la Torah, c'est l'eau. Elle les a effacés, tués tous. Et tout ça, c'est par la force de la Torah qu'ils vont recevoir, que dans le futur, ils vont recevoir. Je t'abarche chez mon lad. Maintenant, Bémet, il dit Rabbi Nathan que comment on va les annuler? On a besoin de ramener de nouveaux Chidushim. C'est quoi ces nouveaux Chidushim? C'est les livres de Rabbeinu. C'est les enseignements de Rabbeinu Akadosh, les tzadikim, les élèves, tous les cours qu'on peut, on peut voir dans nachmanwoman.com, chercher chez Nathan, chercher les paroles de Rabbeinu, les Shivat Nefesh, Sichot Aran, les paroles de Rabbeinu Akadosh, se renouveler dans les paroles de Rabbeinu Akadosh. Comme ça, on allume, puisque c'est la nouvelle Torah que Rabbeinu Akadosh nous a amené pour effacer maintenant les tzaras de maintenant. Plus à chaque fois le tzadik il revient, mon cher Rabbeinu revient, il ramène des nouvelles tridushim, des nouveautés de Torah pour qu'on puisse maintenant encore se réveiller contre les tzaras et annuler les tzaras. Et maintenant, on a besoin d'un mâche de Rabbeinu Akadosh. Comme ça, Rabbi Nathan il nous dit là. Et c'est prénat adlakat ne chanouka, ça c'est la dlaka du ne chanouka. C'est l'allumage des bougies de Hanouka. On n'est pas en train de faire une fête stam. On est en train de faire une guerre. C'est pas une fête. On fait une guerre. On fait une guerre. On loue Hashem Yitbarach. On remercie Dieu. Ken, on remercie Akadosh Baruch Hu. Et on sait que maintenant on est en pleine galoute. Parce que Hanouka, quand est-ce que ça tombe? Le moment où les nuits elles sont le plus longues. C'est ça Hanouka. Hanouka c'est le moment de la galoute. La nuit c'est la galoute, c'est l'exil. Et le moment où l'exil est le plus grand. On allume les bougies de Hanouka et on n'oublie pas qu'on a reçu la Torah. Ça veut dire que nous, les tzaraïs veulent te faire croire, écoute, mon frère, t'as tout perdu, il reste plus rien, t'as rien vu, t'as été pas dans un bitoul, ça, les tzaraïs, t'as pas fait de bitoul, t'étais pas chez Akadosh Baruch Hu, t'as rien vu de ta vie, et tout ce que t'as vu, c'était que des imaginations, t'as rien vu du tout en vérité, et en vérité, c'est quoi? Soit réel, soit les pieds à terre, et sache que t'as rien vu de ta vie, et t'es en train de te raconter des dimionotes. Voilà, t'es en train de tu te mens à toi-même. La réalité, c'est que tu n'as aucune chance, que va chercher ce monde-là, c'est ça que l'Etzara nous dit, va chercher ce monde-là, cours après ce monde, parce que le monde futur, tu ne l'auras pas. Okay? Donc au moins, prends ce monde-là, chas v'shalom, c'est ce que Esav il a dit. Okay? Et nous, on est en train de faire une guerre contre lui, et on est en train d'allumer les bougies, on est en train de dire, regarde, tu vois cette bougie-là, et ben c'est ce que voilà, c'est de la lumière qui vient, que où on était dans un bitoul, on est en train de faire un bitoul, on est dans la galoute, on s'annule devant Akadosh Baruch Hu, et maintenant on ramène de là-bas, maintenant dans cette période-là de Hanouka, on était dans un grand bitoul, Matatyahu et Banav, et ses enfants ils étaient dans un grand bitoul, il y avait une guerre contre nous, on était presque morts, et nos pères et nos tzadikim, ils se sont battus contre eux, ils se sont annulés complètement contre eux, ils nous ont amené de là-bas une lumière. Et ce n'est pas qu'une lumière qui était allumée, c'est que chaque année elle revient cette lumière-là pour anéantir de nouveau la sagesse des Grecs qui veut nous apprendre à abandonner la Torah, qui veut nous faire croire qu'on n'a aucune chance. Okay? On a lu, les annule complètement grâce à cette bougie. Okay? Shuprinat Kabbalat Torah, que ça c'est on reçoit la Torah, mais il y a un yan d'étudier la Torah devant les bougies, les bougies de Hanouka. Il y a un lien de se mettre devant les bougies de Hanouka, de louer Hachem, de remercier Hachem qu'on a reçu la Torah, et aussi d'étudier des halachot. Rabbeinu dit que c'est le lien de Hanouka, c'est le lien de halachot. Des yed gabrou al malchut ovde kochavim arecha'a. Shizot adlaka kdosha uprinat amshachat or vazricha shel arishimo, mehabitul, shemisham ikar Torah. Tov. Al kenem shmonat yimei Hanouka, c'est ce qu'on a dit. Maintenant, bemet. Ça aussi, on voit ça avec Yosef, cette histoire-là avec Yosef, que à chaque fois, Pharaon, il a vu des vaches, et qu'elles étaient très grosses, après ils sont venus des vaches très maigres, et les vaches maigres, ils ont avalé les vaches grosses, et ils n'ont pas grossi, ils sont restés pareils. Et c'est qui lui a expliqué ce rêve? C'est Yosef, c'est le tzaddik. Il lui a dit, les vaches grosses, c'est parce que dans ta vie, il va y avoir beaucoup, beaucoup d'abondance. Mais après, il va voir la famine, et la famine, elle va faire oublier, comme si qu'il n'y avait jamais eu d'abondance. La famine, elle ne va pas grossir de l'abondance. Ça veut dire que ce n'est pas à cause parce qu'il y avait de l'abondance, maintenant dans la famine, alors tu vas vivre. Et ben, qu'est-ce qu'elle est en train de te faire, la famine? C'est-à-dire quoi, la famine? Ça représente les moments difficiles dans la vie. Elle te fait oublier complètement qu'il y avait des bons moments dans ta vie.
Et comment tu vas tout abandonner, comment tu vas tout réussir à combattre tout ça, c'est grâce au tzaddik. C'est le tzaddik, c'est Yosef HaTzaddik. Que lui, il nous fait voir le bon côté, il nous fait rappeler, il nous rappelle ce qu'on a vu, qu'il y avait de l'abondance dans notre vie, on a vu des lumières, on a déjà été chez le tzaddik, on a déjà été à Ouman, il faut se rappeler ça toute sa vie, qu'on a été chez Rabbeinu HaKadosh, même qu'on est en train de passer ce qu'on est en train de passer, on s'attache au tzaddik, tout est fait pour mon bien, tout est pour le bien. Donc même si je suis maintenant dans un moment difficile, il ne faut pas croire que, ou pas oublier qu'il y avait des bons moments et qu'Akadosh Baruch Hu, il est avec nous. Donc s'il était avec nous au moment, à ce moment-là, il est avec nous maintenant aussi. Et grâce à ça, on peut s'attacher maintenant, remercier Akadosh Baruch Hu et commencer à étudier la Torah et se renouveler dans la Torah et annuler complètement tout le mal. Bezrat Hashem Yitbarach, Ashrenu, Ratzon, qu'on puisse mériter d'accomplir ces paroles-là de Rabbeinu HaKadosh, de Rabbi Nathan, et d'étudier la Torah de nouveau et d'annuler le Yetzer Hara, complètement annuler tout le mal, toutes les difficultés, toutes les déprimes, toutes les d'être joyeux, de remercier Hashem Yitbarach. Ashrenu, Kol Tov, Sheye Chanouka Samer. Je ne suis pas à Chanouka là, je suis en train de raconter là, on est que en Cheshvan, le Bezrat Hashem Yitbarach. Sûrement vous allez voir ça à Hanouka, alors il y a de son que vous avez un Hanouka Sameach. Kol Tov.